Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire du poulet séché. C'est vraiment bon et extrêmement facile à faire. Il faut un peu de temps, mais c'est très facile. Alors, on a besoin d'un blanc de poulet, d'un bac en plastique de la taille du blanc de poulet, ce sera mieux, et beaucoup de gros sel. Alors, on commence par mettre du gros sel au fond de notre plat. On met à peu près 1 cm. On va poser notre blanc de poulet dessus et on va recouvrir le blanc de tout le gros sel. Donc, j'ai prévu un deuxième paquet de gros sel. Voilà. On laisse comme ça. On met au frigo 12 heures. Donc là, il est 7 heures du matin. Donc ce soir, vers 19h, 19h30, je vais enlever mon filet de poulet. Vous allez voir, il sera pas le même. Allez, on se retrouve en fin de journée. Au frigo, bien sûr. Hein. Hop. Voilà, ça fait 12 heures pile poil que j'ai mis mon filet de poulet dans le gros sel. Donc là, si vous touchez le gros sel, il est complètement mouillé. Il a absorbé toute l'humidité du filet. Et donc là, on peut voir que le filet a déjà commencé à sécher. Il n'est pas dur, mais il a durci. Donc, je le mets dans mon petit saladier. Je le rince. On essuie super bien. Et on va passer à l'assaisonnement. Voilà, j'ai rincé mon blanc de poulet. Donc maintenant, on va bien le sécher. Une fois. Voilà, je l'ai bien séché. Donc là, on va prendre des herbes. Alors, je vais les mettre là. Après, on prend un petit chiffon. Donc là, je vais mettre du thym. Un mélange d'herbes sarriette, romarin et du poivre. On va enrouler notre filet de toutes ces herbes, vraiment bien imbibé. Voilà, on en met de partout. Ensuite, moi je prends une serviette qui me sert à faire ces filets de poulet. Donc on va mettre notre filet et on remet les herbes qu'on a déjà utilisées. Hop. Voilà. Là, je sers ma serviette. Hop. Je mets dans un petit Tupperware. Et on va laisser au frigo 12 jours. À partir du 7e, on peut déjà goûter, ce sera pas mal. Donc je vous donne rendez-vous dans 12 jours pour la suite de la recette du filet de poulet séché. Allez, à dans 12 jours!